Congolais de Brisbane. Les Congolais se sont retrouvés ce dimanche 2 décembre 2012 ici à Brisbane. De quoi il a été question et qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté congolaise? Oui, d'abord, merci pour l'occasion donnée. C'était une opportunité pour la communauté congolaise de se retrouver, discuter et manifester son indignation sur la situation qui prévaut au pays. Donc, d'entrée du jeu, les gens présents dans la salle ont tous manifesté à l'unanimité l'urgence qui s'impose vu la situation sécuritaire, les atrocités, l'animosité qui se passe chez nous et dont nous sommes imposés par les voisins, qui se disent voisins, rwandais, ougandais. Alors, et cela sous la grande bénédiction de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, la communauté congolaise se sent déterminée plus que jamais pour au moins dire non à cette barbarie internationale et régionale qui se manifeste dans notre pays, surtout à l'est du pays. Et donc nous voulons mettre fin, une fois pour toutes, à cette barbarie. Et nous avons les voies et moyens, parce que les grands moyens que nous avons, ce sont des ressources humaines, les hommes et femmes et enfants congolais qui sont tués jour et nuit. Ils vont se lever, ils vont dire non à toute personne qui maintient la main sur le Congo et sur les ressources du Congo. Ok, merci beaucoup. Je vois encore, il y a encore d'autres compatriotes qui sont là. Alors, je vais prendre aussi l'avis de notre frère ici, si tu peux te présenter et puis donner ton avis. Na makambo eti ko le kaya ba congolais à na Brisbane. Oui oui, tous allia vraiment na réunion les autres butani ba congolais nous soir. Et ça la passe na motema na makambo et ça la na boka na biso vraiment ba de na biso zo pour fois ba zo pour mabango ba na mike ba mama ba innocent ba ça le taille et le bon côté ba zo pour fois ya ngwana le lo to yé ko kuta na wa vraiment to partager la douleur on a tout la communauté internationale, vraiment, ma camboy, comme mes mélibis, on a un bon canabis, et ça ne passe pas. Il y a moi, les autres, et beaucoup de gens qui ont contribué. On a un bon canabis, on a un bon canabis, on a souffert, on a souffert chaque jour. Ma maman, ma amie, vraiment, ça ne passe pas. Il faut que ça soit congolais, malgré les autres alliés. Tout ça va congolais, tout ça va congolais, tout ça va congolais. Vous voyez, tout partager, ma douleur, ensemble, là, dans votre union. Et moi, je raconte la vie sur les gens. Tu es dans la salle, tu es tout le temps, tu es tout le temps, pour nous libérer pour la vie. En tout cas, merci beaucoup. La série continue et je vois ici, quel est le programme? Qu'est-ce que vous êtes assigné pendant cette rencontre? Bien sûr, je vais parler à Swahili. Yeah. Parce que j'aime la langue swahili. Ok, c'est la richesse du Congo même. Et bien sûr. Mimi naitwa Eraston, Kiburu Eraston de Kumbania. Ah, tulifurahia zaidi tulipokutana na wakongomani wote hapa Brisbane. Kwa ajili ya kongomano, kuangalia kwa namna tunaweza kuzungumza pamoja na kushikamana kwa mmoja kwa mkono mmoja. Kwa kulalamikia ulimwengu ajili ya mambo yanayofanyika huko kwetu Congo DRC, na hiyo mambo imefanya mioyo yetu kumia kuona watoto wachanga wanakufa, wanauawa kwa panga na kuuawa kwa masasi na mingineyo, wa mama wenye mimba wanauawa bila hatia, wa baba wazee, na hiyo yote imefanya mioyo yetu kuumia zaidi. Na ndio maana wakongomani wote wameamua kusimama na kupigana ajili ya shida hiyo ili nchi yetu ya Kongo ipate amani. Tumechoka. Watoto, wa baba, wa mama wanakufa. Na sasa sisi tuko pale kwa kudefendre nchi yetu, kudefendre mali yetu, kudefendre na watu wetu. Na ndio maana tumesimama hapa Brisbane, Australia ili tudefendre Accent sana ndugu. Sasa ndugu Eraston, sijui kama kuna nini nyingine ya kusema au sijui kukiingereza. Thank you very much Alpha.
Today, as I've just said in French, today is a great opportunity for the Congolese community in Brisbane to show how determined they are, how concerned they are about the situation in our country. The Democratic Republic of Congo has been going through bondage after bondage, bondage after bondage, war after war, unended war, since from 1996. And this has been more than a civil war. It's been more than a crime. It's been more than a genocide, because more than 8 million people have been killed so far, and the war is still going on. But the international community, the United Nations High Commissioner for Human Rights, what are they doing? Are they blind? And they seeing what is happening in the Congo. So we assume that we are Congolese, and we are the ones to take a responsibility in what is happening in our country. We have to handle the situation in our hands. We need to do everything we can, and we can say today that enough is enough. We'd love to alert our enemies. We'd love to alert the international community. We'd love to alert whoever participates in massacre, in killing people in the Congo, that today we are standing against what is happening in our country. We are so determined more than ever. Thank you. Thank you so much. Now, tunaona hapa nini kiongozi ya nini ya community Congolese hapa mu Brisbane. Sijua kama ana maswali fulani ya kutuelezea. Merci beaucoup. Je suis très soucié, mais pas content. À propos des images que j'ai viens de voir, moi-même je suis natif de Goma, donc ça m'a fait choquer. Aujourd'hui, je vous crache la vérité que je vais me sacrifier toute ma vie, moralement, physiquement, s'il y a moyen, voire même financièrement. Parce que on nous traite comme des animaux. Donc le Congo est devenu comme une boucherie. On tue les gens, les enfants. Ça n'a rien à faire. Alors, le message que je lance aujourd'hui, moi-même comme le président de la communauté congolaise à Brisbane, j'aimerais que tous les Congolais là où il est, soi-disant en Europe, en Asie, partout, en tout cas je lance appel d'être des bons, de soutenir ce que les communautés européennes ont. Européenne, que ce soit, on tenterait de faire. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas la guerre des Africains, c'est l'Union internationale. Alors, nous voulons qu'un bon jour, que les Congo trouvent la paix. Alors, comment ils vont trouver la paix? La paix va venir pour nous, les diasporas, qui sont à l'extérieur des pays. Alors, vous qui vous êtes en Amérique, vous avez une maison blanche. Allez, faites des bruits chez Obama là-bas. Faites-les montrer que nous sommes très souciés. Et par là, on peut trouver la vérité. Et puis la solution reviendra. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup. La série continue et maintenant nous voyons un autre compatriote. Alors, je voulais assez qu'il puisse donner aussi son point de vue. Oui. Conclusion ni bozi et puis bon disposition pratique ils ont ni ni pour la résolution bozi na rencontre lelo. Ah, ils ont ça la passé. Conclusion la mission est allée à que peuple congolais faut tel mexicain on soit sali. Aïe ban kubunde lamboka nae. Peuple congolais faut avoir conscience. Y a ban na ou baza na zamba lelo. Ma maman na ba tata oyo bazo souffrir lelo na machette ya soi-disant kanambe. Il faut battre ba comprendre que machette wana soki tamboli na ndeko na yo oyo azali congolais un jour ekosila na nzoto na yo yango balobi kisi ya moto ezaka ya moto ndenge bandaki biso tozalaki koyamba bato toko ndima bango ba bandeko na biso. Mais lelo Rwanda telemeli congolais aokata congolais neti taba congolais azoko panza mutu azo na posa amona nini za na kati ya libumu nae yo sala pasi biso congolais to tindami ya kosala biloko wana te
exacte. Ce qui est vendu, Kimia, c'est ce qui est dans ma casse. Ce qui est dans ma casse, c'est ce qui est dans ma casse. Ils ont lancé un message. Na Congolais nyonso tu oyo kozala ending oyo akotele mela mudinga na Congolais na komba otoza nango toko deal nae Congolais nyonso tu partout dans le monde oyo moni pembeni nae waza contre makambozo sala foko deal nae pomboka na biso leloyo batu bazo dirija ngo za bapaya ndengo moni na tele miawa kolela mukolo eza kotela miso. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Amérique. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Australie. Je suis un homme qui a été en Australie. Est-ce que vous avez dit que na mboka oyo ya poto pona olia ka olala soko ezala ki nde ide na yo ke oyewo kuvanda olia olala sorry me batinda ki awa po olobela baninga oyo batikana na sima po ozwa action sur les kambo oyo ezoko deranger peuple na yo po tele mabiso nyonso to simbana soki to simbani biso nyonso to tokozala na résultat. Tokozala na résultat ya makambo nyonso to tozosala. Balobi libanga, lizwi chaku, ndeke kosekate. Kobosa na teke yope chaku ozakaka na mapapu neti ndeke wana. Ça veut dire, pays nyonso to oyo eza to tour na Congo, lelo. Et abandonné Congolais. Contre tous. Monde mobimba batiki Congo ye moko a souffrir. Congolais azoko souffrir bandeko na ye ya Angola bazawana bandeko ya République Centrafricaine batu nyonso tu wana bazali place ba Congolais bakenda intervention. Lelo oyo batiki li Congolais. Ça veut dire Congolais il faut faire confiance à ton frère Congolais ko sa la confiance na étranger te. Ko sa la confiance na étranger te. Sa la confiance na ndeko na ya Congolais. Ce qui est le Congo, c'est le Congo. Je suis 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 le Mswahili, je suis le Mungala, je suis Mongo, je suis le Congo. Je na Brisbane Congo. Je Lumbe Lumbe, Mwete Mwete. Soko Meki, le Congo. Je Mswahili le Congo. Je suis le Mungala azalakate. La prise ban congolaise ali moko mais to soko deal na ba oyo bazoko telemela congolais na ba action na e to ko banda ko kote la bango moko moko na banda ko na bino pour vivre biso to sangana to sale loko moko. Merci. Alors maintenant programme ils ont des nini puisque bon ma solution c'est le bami mais ce programme ils ont des nini qu'est-ce que au contraire ça n'a pas besoin de cohésiter au contraire ça va nini en tout cas ba oyo bazoko cohésiter c'est que peut-être na nzoto na bango makila ya congolais tambo la raté. Si vous avez un maquila ou un Congolais, vous pouvez toucher dans votre nayo. Vous pouvez vous faire un abisso, vous pouvez vous faire une action, vous pouvez vous faire une action. Vous pouvez vous faire une action. Le 14 décembre, vous pouvez vous faire une action. Vous pouvez vous faire une action. Vous pouvez vous faire une comprendre que bana ya Congo est un peu plus de temps. Mais le appel n'a pas été fait. Totika, Bato, Bazolo, Banam Panti, un des systèmes qui est libino pour continuer à faire des choses. Boya, toujours en Babino. Ingeta. Ingeta, toujours. Donc, série, ça va continuer. Donc, appel, il va lancer. Na Batunio, surtout, ba Congolais, ba Bazali, na souci à Yambo Kanabango. Alors, ça fait mal. Alors, les Congolais continuent toujours à intervenir. Alors, je vois encore un confrère ici. Alors, dès qu'on a évité émotion, nous en avons par rapport à la situation en Boka et puis organisation, il y a qu'on revendiquer la droite. L'idée n'est pas pour nous. Mais le message n'est pas pour nous.
Je suis un pasteur. Vous voyez que les gens qui ont été défendre la communauté. Donc, si vous êtes pasteur, vous voyez ça. Vous voyez ça. Totalement. Tout le monde est rwandais. Pamba te. Et que ça n'a pas été. Totalement. Beaucoup de gens qui ont été défendre la communauté, ils ont été défendre. Donc, le message est que les gens ne sont pas pasteurs. Va passer pour Pissonioso, tout ce qui est décalé par la pastille, tout ce qui est décalé en Zambé. Mais Zambé, Pessibiso, Maël, et Nama Cambunioso, Tobunda, Mané, Tobunda. Les Nazabou, Nazan, Ami, mais Nazoté, Nakara, pour la pastille. Tobunda, pour la pastille. En tout cas, merci beaucoup, Ingeta, Ingeta, toujours. Donc, Marcelet, ça va continuer. Donc, rendez-vous les 14. Ba Congolais, ba Kukutana, et puis pour nous revendiquer Marambo et Zoleka na Mboka Congo. Alors donc que tous ceux qui sont Congolais, qui sont au Bayo qui appellent au donc balembate pour na koya ko sangana na communauté Mulimba. Merci beaucoup. Ingeta, Ingeta toujours. Alors Namoni pe Bob Denard, na évité Bob Denard. Et là on y a qui koloba kana nyoza na yango par rapport à la situation du Congo. En tout cas, nous sommes tristes par rapport à ce qui se passe au Congo. Nous avons vu les images, nous voyons tout ce qui s'est passé là, nous sommes tellement marqués. Moi, je vais demander à la communauté de Brisbane d'être en union pour que nous puissions combattre l'ennemi qui est commun, savoir Kanambe. Nous allons faire tout pour le faire partie du Congo. C'est ça mon point de vue. Ok, merci beaucoup, Ingeta, toujours. Lord, somebody.